Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour la partie 7 de Rayman 2 The Great Escape Rayman Revolution dans cette version PS2. Donc voilà, on est parti pour chercher Globox, même si finalement on n'est pas trop parti pour chercher Globox parce qu'il y avait un autre chemin, si vous vous souvenez bien, dans la grotte du crâne de la mort qui du tout. Allez, temps de chargement. Alors, on s'y fait au bout d'un moment. Temps de chargement. Et donc, caverne du crâne, voilà, tout simplement. Pas la grotte, mais la caverne, attention. C'est pas par là-bas. Parce qu'ils sont, assez fourbes hein, quand même, les développeurs. C'est pas par là, faut aller à la baie des baleines en fait. En réalité. Quelle heure? On va descendre tranquillement. J'espère qu'on n'aura pas encore une phase de Dead Space. Hein. Non, Dead Space, qu'est-ce que je raconte? Space Invader? J'en ai pas l'impression. C'est bon, c'était ici qu'on avait fait la phase de Space Invader, quand même. Une phase culte, je pense, de Rayman 2. Enfin, Rayman Revolution, vu que ça n'existe pas dans Rayman 2, cette phase. Elle y est pas. Quand même, vous avez vu quand même qu'il y a pas mal de rajouts dans Rayman Revolution. Et c'est vraiment... C'est vraiment ce qu'il faut dans les remakes qu'on est en train de faire sur PS4 à chaque fois. Remasterisé, ultime, un jeu qui date de 10 ans, qui n'a presque pas évolué sur PS4, c'est magnifique. Voilà, c'est... Mais que voulez-vous, c'est la PS4. Hein. Y a que de ça comme jeu dessus, avec la Xbox One des fois aussi. Ah, magnifique champignon. Vous voyez que... Voilà, ça c'est un véritable remake. Voilà, moi j'aimerais que tous les remakes d'anciens jeux soient vraiment comme ça, quoi. C'est vraiment complètement changé et que... Comment expliquer, qu'il y a beaucoup de rajouts. Finalement, le jeu il en revient presque deux fois plus long, quoi. Et avec bien sûr. Augmenter un peu la qualité des graphismes. C'est toujours plaisant. On faut aller où? Plus magique. Avec la musique sinistre en fond. Utilise pour faire défiler la liste. Presse lorsque tu as fait ton choix. Oui, presse croix plutôt. Eh bien, on s'en fout. Donc maintenant, on sait où est le petit être qui nous upgrade. Voilà. Qui upgrade nos coups. En tout cas, d'ici. Est-ce qu'on peut aller sur les montagnes? Ça m'étonnerait. Hein. Non. Je pense pas. Hein. Il est pas total... Il est pas totalement open world. grotte de l'écho, peut-être en dessous. Je sais déjà plus où j'étais allé. C'est magnifique. Ça commence bien. Ça fait une semaine que j'ai pu jouer au jeu. Une semaine, c'est beaucoup. Parce que je fais la plupart du temps une partie par semaine. Ah non, il y avait une fois où ça faisait au moins un mois que j'avais pas fait une partie. Mais bon. Tempé. Temps de chargement. Parce que le parfait exemple de remake à deux balles, c'est par exemple Final Fantasy X. Final Fantasy X sur PS3, déjà, il a eu... Enfin, Final Fantasy X de base sorti sur PS2 en 2001,
qui est sorti par la suite sur PS3 en remake, un incroyable remake HD, on voit aucune différence déjà. Et peut-être un petit lissage, attention, ils ont mis un anti-aliasing. Vous vous rendez compte? Un anti-aliasing! Voilà, un antique Kirelenage là, je sais plus comment ça se dit exactement. C'est assez compliqué. Ah, des nouveaux ennemis. Ils me disent rien ces ennemis là. C'est des ennemis. Voilà, des nouveaux ennemis dans ce remake. Donc voilà, c'est pas un remake de merde. Pas comme Final Fantasy X où. Voilà, ils ont fait un lissage avec l'anti-aliasing. C'est incroyable, ils ont mis un anti-aliasing FXAA, et c'est bon là. C'est bon, c'est un remake. Non, voilà, c'est complètement con. Et pour la version PS4, bah en fait, la version PS4, tout simplement, c'est la version PS3. Voilà. Parce qu'il est sorti plus tard aussi sur PS4, Final Fantasy X. Encore, on peut se dire, c'est sympa pour les jeunes joueurs qui n'ont pas connu ce jeu-là. Oui, on peut se dire ça comme ça si le jeu était à seulement 20€, mais à côté, tu vois, il est à 60€, quoi, ou 70, c'est vraiment du grand n'importe nawak. Par contre, c'est quoi ces ennemis chelous? C'était pas ce chemin-là dont je voulais parler, mais bon, c'est encore un autre chemin. Il y a pas mal d'embranchements hein, différents dans ce niveau Lambirati. Ouais. Bon, à part que la caméra devient folle. Je sais pas ce qu'il faut faire. Ok, bon, moi je crois en fait que c'est juste un niveau. Bon, faut revenir plus tard ici. Vraiment bizarre ce niveau. Avec des ennemis que j'ai jamais vus. Ok. Je m'en souviens pas les avoir vus sur DS non plus, voilà. Donc, ouais, je pense que c'est des niveaux, c'est des ennemis complètement originaux de cette version. Unique à cette version. C'est une exclusivité absolue. Ah purée! Ok, il y en a un que j'ai one shot hein, quand même. Il y en a un là-bas. Je me souviens quand j'étais petit et que voilà, petite anecdote. Quand j'étais petit et que j'étais allé au McDo avec mes parents, à chaque fois quand on est petit, bah, on a des petits cadeaux hein, dans notre menu best of, je sais plus quoi là. Avec menu au McDo. Et comme cadeau, j'avais eu une petite figurine comme ça là, d'un ennemi comme ça. Là. D'un pirate de Rayman. Je trouvais ça marrant. Je m'y attendais pas du tout. Enfin, quand j'étais petit, je devais avoir ouais, 8 ans quoi. Ouais, j'étais tout petit. L'époque où j'avais même pas encore Rayman 2 sur DS. J'avais pas encore la DS. C'était en fait mon cousin qui m'avait montré Rayman 2 sur DS. Pour moi à l'époque c'était une révolution de voir une console portable qui puisse faire de la 3D. Je trouvais ça incroyable. Bon maintenant ça peut paraître rien. Hein, mais en 2004 ce n'était pas rien. Il y avait en plus la PSP en même temps. À peu près en même temps. Parce que moi, à côté, j'étais avec ma petite Game Boy Advance, donc voilà. C'est la Super NES portable. Purée, non. Avec une puce sonore un peu faiblarde comparée à la Super NES, quand même. Bon. Je suis bloqué.
Après, oui, c'est les rayons rouges avec la danse de la pluie. C'est magnifique. Attendez, je suis bien passé par... Je suis passé par l'ombre, là. Ah, là où c'est... C'est tout sombre, ça fait peur. Une grotte de l'écho. Moi, je vais là-haut. J'essaie de pas tomber. Je voulais récupérer des lumes, mais en fait, on s'en fout. Mine pirate. Oui, elle est vraiment petite, cette mine. Mine de charbon. Ok, le chariot qui est trois fois plus grand que Rayman, quand même. Enfin, trois fois, je dirais plutôt 10 fois. Je sais pas ce qu'ils mettent là-dedans, mais... Ça doit être... Ça doit être de l'or, quand même. Enfin, ça doit être quelque chose de précieux. Ou beaucoup de charbon. La pollution. Voilà, ce qui est souvent démontré dans Rayman 2. Mais il pollue la planète! Il pollue la petite forêt magique d'effet clochette. Mince. Je voulais pas y retourner, je voulais pas y retourner! Pourquoi il y retourne tout seul? Ce con! On est déjà en 11 minutes. Enfin, 12 minutes. En comptant l'intro, bien sûr. Et dire qu'il va falloir se retaper ce chargement de 2 secondes après. Mon dieu. C'est magnifique. Ah ok. Il faut qu'il se mette bien au milieu, Rayman, attention. C'est la sécurité avant tout. S'il y a beaucoup de secousses, il vaut mieux être bien au milieu. Pour pas être éjecté du wagon. Il faut 270 kilo-octets. Oh, mon dieu, ce n'est peut-être... C'est peut-être trop pour ma carte mémoire. Ma carte mémoire à 300 kilo-octets. Non, je rigole. Non, c'est 8 mégaoctets. Ça, c'est pas ça. On saute. Bon, on n'écoute jamais les musiques, mais... Mais franchement, elles sont pas mal. Par exemple, il y en avait une, je crois, la partie 3, je sais plus trop. Je crois que c'était la partie 3, en tout cas la partie où on était à la plage. À la playa. Et on devait battre un ennemi à la fin, une espèce de mini-boss, là... Une pyramide bleue, là, à la fin. Un bonhomme avec une tête de pyramide bleue. Quand on faisait de la glissade dans l'espace. Voilà, c'est... C'est super, cette description. Ah, mais je m'en souviens de ce niveau. Ça me rappelle quelque chose. Vraiment, on est vraiment rendu à loin dans le jeu, là. Je crois que dans Rayman 2 sur DS, c'était limite... On a rendu à 80% presque. Enfin, 70% je dirais. Mes bébés. C'est horrible. Les pirates ont pris tous mes bébés. Ils les ont enfermés dans les mines et dans des cages. Mon global chéri a essayé de les en empêcher. Mais les pirates l'ont capturé lui aussi. Et ils l'ont emmené sur leur vaisseau prison. Mais avec ça, je pourrais aller jusqu'aux mines. Ne pleure plus, Huglette. Je m'occupe de tes petits. Oui, c'est ça, on dirait que j'ai un bateau. Si, je m'en souviens de ça. C'était assez épique.
je crois que c'était une phase assez simple. Mes premiers souvenirs. Mine Sud. Ah bah oui, c'était une phase assez simple. Ah non, quoique, c'est peut-être pas terminé. Bon. On va pas dire que c'est très difficile de sauver cela. Je vais voler un peu. Voilà, cette magnifique physique. Ok. Faut détruire ça. Alors, on sent le moteur source, là. Quand on voit les piliers s'effondrer. Ah ok, c'est un labyrinthe. Alors, faut descendre un peu. Je crois qu'on a une barre de vie. On est à moitié invincible, quoi. Mine Est. Ah, mais c'est horrible. Ils mettent les petites globox dans des mines, quand même. C'est encore pire que le tir en freezer. Qui est déjà pire qu'Hitler. Mince. Je tourne. C'était un cul-de-sac. Ouais, ce qui était assez intéressant dans ce niveau, dans la plage, dans la playa, et bah plus on avançait dans le niveau, plus la musique elle s'amplifiait. C'était vraiment pas mal. Et puis je reconnais ce thème, enfin quand j'ai re-regardé dans le montage, bah je reconnaissais ce thème. Qui est un thème que j'avais en tête très souvent quand j'ai fait Rayman 2 sur Game Boy Game Boy Advance. Parce que en même temps c'est le thème qu'on entend le plus souvent dans la version Game Boy Game Boy Color. Qu'est-ce que je raconte, c'est pas Game Boy Advance, c'est Game Boy Color. Beaucoup de mini globox sur un seul bateau. Il risque de pas résister, le pauvre. Mine d'or. Mine d'or, purée. Je pense qu'à ça, moi. Le fric. Donnez-moi du pognon! Voilà. Je peux rien à dire. Fail. Mais on s'en fout. Encore fail. Mais on s'en fout. Oh là là, cette maniabilité, c'est magique. Il y a le bateau qui commence à fumer un peu. Attention. C'est le moteur surtout. On peut pas tourner avec caméra, non. C'est peut-être la fin. Non, mine sud. Ah, et pourquoi il va pas vers la mine sud? Parce que je suis jamais allé, moi, à la mine sud. Ah bah si, faut croire que si, en fait. Je fais n'importe quoi. Faut pas aller plus vite. Déjà ? Bah, c'était une phase assez facile.
maman? Regarde, Huguette. Voici les autres. Prenez le bateau pour rentrer. Nous avons décidé de te donner un masque de pluie. Un masque de pluie? Avec, tu pourras faire tomber la pluie comme les Globox. Merci, Huglette, et à bientôt. Magnifique! Je vais pouvoir faire la danse de la pluie. On va détruire cette cage. Voilà. Avec le petit thème des petits êtres. En fait, ça remplace le Yeah de Rayman 1. Un level bonus. Oh ! Incroyable ! On va pouvoir faire un petit bonus. Si le jeu veut bien. Ce temps de chargement me font toujours flipper. Bonus stage. Cette jolie petite fée a des cadeaux pour Rayman. Ok, c'est tout. Ah oui, je me souviens. Enfin, je me souviens. Je sais pas s'il y a ça sur DS, mais je l'ai fait sur Nintendo 64. Sur émulateur, bien sûr. Et comment on l'avance? Ah, c'est ce bouton-là. Merde. Non, je sais pas quel bouton c'est en fait. Ah. C'est croix, non, c'est... Bon, on sait jamais. Ah, on sait tous les boutons. Attendez. C'est chelou. Ok, je dois défoncer la manette. Hein. De toute façon, je me fais défoncer là. Le robot est largement devant. Mais la musique est assez sympa, la musique des niveaux bonus. Sauf qu'elle est pas... C'est pas la version... c'est pas la version complète. Bon, c'est la course, presse, croix... Je vais recommencer à la course. Y a pas... ah, cercle des petits sets, non. Recommencer... Bah, recommencer. Oh là, oh là, le petit Globox, il a donf le Globox. Je sais pas si je vais survivre. Ah, il est en mode Benny Hill. Attention, ça rigole plus. Bon, même si l'autre il est encore en train de me défoncer. C'est pas possible. Je vais crever. Purée. Ouais, mais ça marche pas. J'ai rien compris. Sur émulateur, j'avais rien compris aussi. J'avais cru qu'il y avait plus ces niveaux bonus là comme ça sur PlayStation 2. Try again? Non, j'ai pas envie. J'ai rien compris. Mais je crois qu'il nous disait comment faire sur la version N64. Même si j'avais rien compris par la suite, donc bon. Bah, ok. Tant pis, j'ai rien compris au menu au niveau bonus. J'aurais bien aimé comprendre. Mettez un commentaire à cette vidéo. Ceux qui savent comment faire ces niveaux bonus. Faudra me le dire. Quelle est la technique à employer? Au lieu de défragmenter en 8 la manette.
Ça prend du temps, sauvegarde. Allez, ça va. Alléluia, mes frères. Bravo, Rayman. Les enfants rêvent tous de te ressembler. Main. Un ballon volant. Et donc il faut aller vers le niveau des ballons volants. Mais quel esprit de déduction incroyable et imprévisible. Comment on a fait pour trouver ça quand même? C'est impressionnant. Ça perd les popettes. Défoncer là. Voilà. On spamme comme un fou les attaques et puis c'est bon. Il boule le feu. Le fireball. Allez. Allez, mais. Meurs dans d'atroces souffrances. Souffre. Souffre le martyr, souffre. Je veux vous voir crever entre mes mains. Voilà, c'est comme ça que veulent. C'est comme ça que les bébés de Globox veulent être. Des tueurs sanguinaires de robots. Les robots n'ont aucun avenir. Bender doit mourir. Je commence à délirer. Au même moment, vaisseau prison des pirates. On a vraiment appris beaucoup de choses dans cette cutscene. Je la trouve pas mal, cette petite voix au robot. À barbe tranchante. Pas mal, cette petite voix. Selon dans la version DS, il avait pas de voix en fait. C'est des murmures. Comme tous les autres persos. Mais je sais pas, avec barbe tranchante, ça va. Rayman, on va dire que c'est potable. Ça fait un peu Tintin au Tibet, mais... ça fait un peu Tintin. Enfin, même si je crois que c'est le même doubleur aussi qui fait la voix de Rayman dans Rayman 3. Mais on voit qu'il est beaucoup plus impliqué dedans, quand même. Là, on a l'impression qu'il lit... juste un paragraphe et puis c'est tout. Alors que dans Rayman 3, on voit que il est un peu plus humain en fait. Je trouve. Ouais, et puis c'est surtout aussi qu'il a moins de phrases à dire. Il parle beaucoup moins Rayman dans le 3. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait plus d'efforts. Alors même si je dis pas non plus que c'est une VF pourrie, c'est juste que ça vieillit quand même. Mais à l'époque, c'est vrai que c'était fort sympathique. C'était bon, la première fois qu'on avait un jeu où... Fail. C'est l'un des premiers jeux où il y avait des vraies voix, quoi. Surtout en français. Merde, je prends ça. Bon, après, comme jeu, qu'est-ce qu'on a eu comme jeu du même style après où, il y avait beaucoup de dialogues, c'est Bad Fur Day sur Nintendo 64.
Ouais, il y a eu très peu de jeux à l'époque. Maintenant, ça peut vous paraître un peu con, mais c'est... Il y avait très peu de jeux comme ça, où il y avait des voix digitalisées tout au long de l'aventure. Alors que maintenant, avec la mémoire incroyable des consoles, c'est sûr que c'est, ça pose aucun problème. Par exemple, la Nintendo 64, je sais pas comment ils ont fait pour tout mettre ça dans une cartouche de 70 MO. C'est rien du tout. Sur PlayStation 1 encore, ça passe, hein. Avec les 180 MO et quelques. Alors, let's go. Ok, c'est un niveau épique. Je me souviens de ce niveau aussi. C'est incroyable, mais quelle mémoire. Parce que la version émulateur sur N64, j'ai essayé très peu de temps. J'étais allé jusqu'à, pour tout vous dire, j'étais allé jusqu'à le bonhomme avec la tête de pyramide bleue, voilà. C'est le mini-boss, merde. Le premier mini-boss, quoi. Enfin, moi, j'appelle ça pas un boss, hein, c'est un mini-boss. Parce que bon, il est un peu moisi. Quand on y pense, il n'y a pas de boss, en fait, dans le jeu. De vrai boss. Par le boss final, c'est tout. Je vais pas vous dire qui c'est le boss final. Ça sera un grand spoil. Comme dire que Bowser c'est le boss final de New Super Mario Bros. U de la mort qui tue tout. Plus tard, ça sera New Super Mario Bros. UUW. Bon, il nous tire plus dessus. Ah, il s'est dit que avec autant de skills, il pourra pas aller très loin. Il pourra pas me suivre très longtemps. Je vais trop vite pour lui. Ah, checkpoint. La musique est sympa. Il défonce les bombes. Bon, c'est pas bien difficile, hein. Allez, ils ont quand même refait les JPEG là, enfin la texture de la pierre quand même. C'était pas aussi net que ça sur DS ou sur N64 aussi, je crois. Enfin quoique. Ouais non, sur N64 c'est moins net que ça. Hein. Merde. Esquive. Oh purée. Un obus sur patte. Ce qui est sympa, c'est qu'il saute tout seul, hein, Rayman. C'est un saut automatique, hein, quand il y a une plateforme qui s'envole par les bombes. Qu'est-ce qui se passe? Ouah, des ennemis! Ça commence à se gâter. Il y en a un qui veut ma peau là. Il veut me foncer dessus là. Il veut faire des attaques au cac. Qu'est-ce qu'il a? C'est un rugbyman ou quoi lui? Ok. Ah purée, fail. Prends ça, saloperie! Ils explosent en mille morceaux. À faire souffrir les robots un par un. Jusqu'à ce qu'il n'en reste plus.
faire des phases de Space Invader pour se faire chier. Une phase qui durera 30 minutes. 45%, bah bon sang. Ça avance les pourcentages là. Attention, ça défile. On était à 41% au début de la vidéo, à 39. C'est 7 sur 10 qui a marqué. 7 niveaux sur 10. Bon. Oh purée, je me souviens de ça. Hein, vous allez voir, d'abord je vais péter ça. Je crois que c'est un petit bonus pour sauver, voilà, une cale. C'est toujours sympa de faire ça. Ah ouais, ça c'est... C'est assez énorme. Voilà, on peut... carrément utiliser les... purées. Les bombes. À notre avantage, comme ça. Attendez, je vais pas tout de suite le faire, là. Parce qu'il y a quelques lumes jaunes à récupérer. Et lumes jaunes, c'est sacré. Bon, descendons. Ah mais... Oh purée, les touches sont inversées. C'est pas pratique. Ok. Ça veut dire que j'ai trouvé un petit secret. Ah, j'adore cet ennemi, hein, qui est complètement cheaté. C'est magnifique. Est-ce qu'on peut le tuer avec une bombe? Non. On peut pas le tuer. Mais il se fout de ma gueule. Purée, mais... C'est quoi cette blague? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse avec cet ennemi? J'ai dû ouvrir la porte en face de l'ennemi. Qui ressemble à Globox, hein. C'est Globox en robot, tout simplement. Ah purée. Il est en train de me courser. Mais tu ne peux rien face à une zone de chargement. ouais, je sauvegarde. Parce que je suis un fou de la sauvegarde. Un maniaque de la sauvegarde. Ah mais on se débrouille bien, hein, quand même. Cette skill hors du commun. Et je crois qu'on va bientôt être au niveau où il va y avoir pas mal d'araignées. C'est un niveau où on est dans... comment expliquer? C'est un espèce de cimetière, j'ai pas trop compris comment c'était formé, mais... Si je me souviens, c'était un espèce de cimetière. Purée, j'arrive pas à... Je suis un peu bête des fois. Fallait juste faire ça. N'oublions pas que c'est inversé. Et merde, j'ai encore oublié. Ah là, cet effet! Quand on se rapproche de l'eau. Enfin, si on peut appeler ça de l'eau. Ah ok. Je l'ai one shot avec la bombe. J'avais plus compris sur le coup quand je voyais la barre de vie s'enlever au fur et à mesure, là. D'un coup. Bon, là, il faut en fait activer l'interrupteur qui est de l'autre côté, mais comment? Mais comment? En allant de... Je pense que c'est en allant... Ah. Quoique. Non, c'est juste pour avoir ça. Purée, j'ai eu toutes les cages. Mais c'est incroyable. Mais je suis mort. Au moins, c'est bien, ça me remet là. Mais oui, tout est calculé, tout est calculé. Mes chers viewers. En fait, j'ai fait exprès de tomber... dans cette chose. Verte. Ce liquide vert très très empoisonné. J'arrive pas à trouver un mot classe.
Purée, j'ai failli tomber. J'ai fait exprès pour pouvoir me TP juste devant l'interrupteur par la suite. Oui, comme feront tous les speedrunners, bien sûr, de la Terre. C'est quoi là-bas? Ah ok. C'est pour pouvoir sortir du niveau. Et donc le niveau il était court. Hein. Ah, niveau avec une bonne idée, mais... court. Que ce n'est peut-être pas la fin. Faut faire la danse de la pluie, faut faire quoi? Est-ce qu'il peut nous parler lui? Non. Il nous fait juste signe. Et on peut pas aller de l'autre côté. Il y a de la lave. Que faut-il faire? Allez, tuyaux. Ah non, il faut faire la danse de la pluie. Non, mais il y a rien ici. Que voulez-vous? Pas bidouiller ça, l'ordinateur de bord avec la target. Bon, alors, je vois une ombre ici, là. J'ai l'impression qu'il y a un truc au-dessus, mais il y a rien. Oh merde, ouais, d'accord. Bon, bah en fait, si il y a quelque chose. Un mini boss. Putain, c'est celui qui nous a envoyé, je crois. Barbe tranchante là. Bon, il s'est cramé le cul. Je crois que faut que je me mette à côté de la lave pour qu'il se TP par-dessus. Un peu de rock and roll. Okay, bon, il a pas l'air bien costaud. Mais j'ai pas l'impression que je le touche. Purée, mais comment le faire TP sur la lave comme j'ai fait avant là? En fait, j'ai pas l'impression que je le touche. Quoique, j'ai vu sa barre de vie après. Mais... peut-être charger le point. Merde. Ah, je crois savoir. Je crois pas que ce soit sa barre de vie en fait. Faut qu'il tire sur l'espèce de machine derrière. Ah, je crois que c'est ça. Quoique. Quoique. Je fail. Comment l'avoir ce truc? Bah il va bientôt mourir, mais j'ai vu la barre de vie de la machine. Pas trop compris. Ah, faut que je tire dessus moi-même. Je crois que c'était que lui qui pouvait la faire péter. Bon bah fail. Et c'est encore. Quoi? Ok. Qu'est-ce que je peux dire d'autre que ok? C'est magique. On recommence d'ici quand même. Bon, encore, heureusement, le niveau n'est pas très long. On commence quand même d'assez loin. Je m'y attendais pas du tout. Finalement, on a vraiment mis presque aucun checkpoint hein, dans le jeu. C'est juste qu'on meurt très rarement. Heureusement.
Bon, moi, les musiques, elles sont classe. Purée, non! Ce fail là de balle. Ah, d'accord, la porte qui s'est refermée toute seule. C'est magnifique. Sinon, j'ai libéré tous les lums là. Enfin, les cages. Parce que je vois. On va dire que ça passe. Il n'y a que des plateformes qui vont s'effondrer sous nos pas ici. Il n'y a rien derrière, je pense pas. Ah non, ça va, ils nous remettent ici. Ah, j'ai cru que c'était vraiment au tout début du machin, quoi. Ah, et donc c'est... Ah, ok, il est apparu quand j'ai tiré sur la machine, quoi, ok. Ok. J'ai complet. Enfin, fallait le trouver, quand même. Donc, du coup, l'ennemi, il est invincible. Sauf si on le fait tomber dans la lave. Bah, bon, ça va être vite fait, ça. Ah mais je reconnais cet endroit là qu'il nous a montré. Non c'est... Il est toujours... il est plus là. Ok. Ah, c'est bizarre quand même hein, qu'il ait des pop comme ça l'ennemi. C'est un mini boss encore une fois. C'est ça en fait le problème dans Rayman 2, c'est que... Bah, il n'y a pas de véritable boss en fait. C'est surtout des ennemis un peu plus costauds comme celui-là. C'est pas des boss impressionnants qui t'en mettent plein la vue quoi. C'est spécial. On s'y attend jamais en fait. Accès refusé. Chauve-souris. Avec les deux grosses dents, j'ai l'impression. Ah non, c'est des yeux. Donc. Je pourrais croire que c'est deux grosses dents. J'ai vu une chauve-souris où tu vois que les dents. C'est magique. Bon. Je pense que cette partie durera un peu plus longtemps que les autres. Parce que j'ai envie de continuer. J'ai envie de voir la suite. Que va-t-il se passer ? Bravo, Rayman. Les enfants rêvent tous de te ressembler. Maintenant, tu peux désactiver les lasers qui te bloquaient. Tu trouveras le deuxième générateur au fond des... Oui, mais oui, t'as déjà dit que les enfants voulaient me ressembler. Ils veulent tous me ressembler. Je suis leur protecteur, leur super-héros. Ah merde! Non, je veux pas revoir Lila la fée. Bravo, je veux pas revoir la... Je veux pas revoir la fée Glochette. Je peux ouvrir une nouvelle porte. Le ski nautique. Bah, let's go alors. C'est vraiment pour te faire plaisir. Lila la fée. Pourquoi ils ont pas gardé Betty là en fait? Betty là, la fée. La fée sexy dans Rayman Origins. Ceux qui ont fait Rayman Origins comprendront. Alors qu'est-ce que je dois faire là? Récupérer les lumes rouges, c'est ça? J'aurais vous c'est du hard rock. Je vais augmenter mon son parce que je trouve ça trop chelou.
Si je trouve... Purée. Si je trouve... une magnifique télécommande qui était magnifiquement bien cachée. Voilà. Ah bah oui, c'est quoi ce thème? C'est quoi ce thème chelou? Attendez, je vais mettre recommencer vu que bah, j'ai pas réussi. Mais je sens que c'est faisable, hein. C'est pas, ça m'a pas l'air compliqué. Franchement. Il y a aucun obstacle. Hein. Vous l'aurez remarqué. Même, je touche à peine, ils sont sympas au niveau de la Xbox. Hein. Je les touche à peine, les lumières rouges, je les ai quoi. Un petit coup à droite, pouf. Un petit coup à gauche, un petit coup à droite, droite, gauche, et puis c'est bon. Du moment qu'on entend l'espèce de petit bisou là. Quoi déjà? C'était plus court qu'au début. Attends, avant j'avais fait n'importe quoi et j'étais à 23, j'ai fait de mon mieux et je suis à 24. C'est quoi cette blague? Ça durait moins longtemps qu'au début. J'ai l'impression qu'au début on avait fait plusieurs tours et tout. Bon là j'ai l'impression que j'ai fail. Bon, j'ai encore fail. C'est pas possible. On va réussir. Bon, encore fail. On va réussir. Une bonne fois pour toutes. Il y a aussi des phases comme ça de ski nautique sur la version purée de mercredi. Sur la version... sur la version Game Boy Advance de Rayman 3 d'ailleurs, sont faites en mode 7, c'est plutôt bien foutu on va dire, on va dire. Je l'avais fait sur mon portable. Rock'n'roll! Bon, c'est un peu trop hard pour moi. Purée, j'ai encore fail. Pas vrai? Purée, mais pourtant, je sais pas. Des fois, c'est plus dur, j'ai l'impression. Des fois, il va pas vraiment vers les lumières rouges. Ah, pas vrai? Je vais réussir, oui ou non? Concentration. Ah oui. Il va par là. Il est imprévisible. Ils ont fumé ou quoi pour mettre un thème pareil? En mode concentration. Oui, ce fut une magnifique victoire du grand Oliver Plasma, c'est magnifique. Tu as tout d'un héros pour t'aider, voici un peu d'énergie vitale. Ah bah oui, mais c'est comme sur DS, elle nous donne un peu d'énergie vitale. Par contre, est-ce qu'on peut quitter? Ah, quitter? Ça va pas quitter le jeu, hein. Oui, coucou Rayman. Bon. Temps de chargement, encore une fois. Allez, la fée! La fée clochette! Oui, bon, je voudrais me barrer, moi. Ah, quoique, il y a une deuxième course? Ok.
Ou non, on fera ça plus tard. Je sais pas. Je pense pas que ça vous intéresse. Trop, c'est... mini-jeu. Est-ce que c'était par là? Je sais plus si c'était par là. On verra bien. Temps de chargement. Sauvegarder. Sauvegarder, oui, je sauvegarde toujours. Et 5h22 de jeu. Ça commence à faire. Et j'avais souvenir que Rayman 2 était un jeu assez court. Quand même. Voilà, bah c'est ici. Du coup, je peux passer ici maintenant, purée. Oh, ça tue en un coup ce truc là. Oh, ça nous fait dépoper, c'est pas pareil. Et du coup, est-ce qu'on peut. Ok, on peut pas passer. Pourtant, c'était bien ici qu'il y avait des rayons en moins. J'ai bien cru que c'était ici. Ah oui, ok. C'est même des petites flaques d'eau, hein, ça tue. J'ai même pas fait gaffe à ce truc-là. Je sais pas si on peut les tuer. Ça m'étonnerait. Ou alors faut les attirer dans ce marécage, là. Cette chose verte. Hein. Il va là-dedans, il s'en fout. Je peux pas monter ici. Est-ce que je peux tirer sur le truc vert là? Ou rouge ou n'importe quoi. On va faire la danse. Attendez, j'ai deux masques sur quatre quand même. Il n'est pas non plus rendu si loin que ça. Purée, ce bug. La magnifique lune. Non. Bon, je comprends pas qu'il faut aller ici. Je comprends pas. Pourtant, j'ai bien vu que j'ai débloqué ce truc là. Si ça se trouve, en fait, ça en fait, a enlevé que deux rayons. Parce qu'il y en avait plus des rayons avant, il y en avait quatre. Je me souviens bien. Alors là, il y en a que deux. Donc je me dis, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être ça. Ou la première fois que j'y étais allé, j'avais toute ma tête, alors que là, je suis à moitié fatigué, donc voilà. J'ai pas les yeux en face des trous. Alors la grotte. Purée. Là il va y avoir des ennemis, non? Oui. Purée, un ennemi qui s'enfuit. S'enfuit le fourbe. Attends, il y avait pas l'ennemi jaune avant si? Ah si, peut-être. Là, il est résistant lui. Le catcheur américain là. Il veut nous faire une petite démonstration avec ses bras métalliques. Faire la danse de la pluie, alors. Je vois que tu maîtrises à présent la danse de la pluie. Tu vas pouvoir ouvrir la porte et désactiver le deuxième générateur. Approche-toi d'une lage au-dessus de la porte et... Ah, ok. Il y a quand même besoin d'un masque, hein, Rayman.
Alors Globox, il a la putain de classe. Parce qu'il a même pas besoin du masque. C'est Globox, quoi. Tu peux pas test. Putain, mais regardez-moi cette course tellement classe de Globox. Ah, mais tu peux pas test avec Globox. Il pue tellement le style. Bon, ok, hein, magnifique distance d'affichage. Allez, on saute. Ah, je me souviens de ce niveau aussi, on monte une tour comme ça. Oui. J'avais pas mal fail sur DS. Parce que oui, on est timé et voilà, je suis tombé. Non, ça passe. Allez, vas-y. Purée. Parce que oui, le marécage ne cesse de monter. La marée monte. Comme si c'était de la lave. Mais pour une fois, on n'a pas fait le coup de la lave. C'est incroyable. C'est le grand cliché number one des jeux vidéo. La lave qui monte. Avec un scrolling vertical, et là on y est. Oh là, c'est. Tu te dis. Cliché number one. Jeunesse, allez, direct. Monte. Ok. Je fais les ennemis vite fait. Bon, ça, c'est en un coup, les verres. On va monter sans trop perdre de temps. Magnifique jingle. Et un temps de chargement, je parie. Hey boy, un temps de chargement. Rayman qui a disparu. Voilà. Mais c'est la magie du chargement. Il a l'air vraiment traumatisé. Je sais pas ce qu'il a vu avant. Dans ce temps de chargement, mais il a vraiment l'air traumatisé. C'est quoi ce vieux filtre à l'écran là? J'arrive où ils ont essayé de faire la pluie en fait. C'est moche. Attendez, je vais me le faire. Ah ouais, là il pleut plus quoi. Purée. Cet effet de merde. Je crois que c'est ça, ou alors un bug. Un drapeau. Bon, il bouge un peu trop à mon goût quand même. Murphy, la porte est fermée par 4 interrupteurs. Donc il faut trouver 4 interrupteurs. Ça ne va pas être une tâche aisée. Allez, encore un beau gosse ici. Encore en deux coups. J'espère que c'est pas timé les interrupteurs, mais ça m'étonnerait. Ils ont pas fait les gars relous comme pour Star Fox Adventures, hein, les développeurs. Oula. Le Star Fox Adventures, c'était toujours timé. Hein. N'importe quoi, c'était toujours time. Cet interrupteur, à chaque fois, c'était time. Les portes, pareil, hein, timé. Il fallait toujours que ça soit timé. Sans qu'on le sache trop, en fait. On s'en rend compte quand on voit que ça marche pas. Merde. Du coup, la prune, je sais pas à quoi elle sert. Comment on nage déjà? On nage tellement peu. Ok. Je ne peux plus respirer. Ah, c'est bon. Ok, la prune, je sais pas à quoi elle sert.
Et bon, donc ça, c'est l'autre interrupteur. Magnifique jingle. Oh purée, des renforts ennemis. Ok, on one shot. D'ailleurs, j'ai vu aussi un ennemi là-bas, voilà. Un Globox, ça faisait longtemps, un ennemi Globox robotisé. Comment je vais faire? Bon, je vais d'abord me faire toucher, super. Pour avoir une frame d'invincibilité. Pour pouvoir monter, si j'y arrive. Ok, j'y arrive pas. C'est énorme. Ok, bon, on peut, faut pas passer par là. Non! Ah, je sais. Oh, je m'en souviens. Je sais à quoi ça sert finalement ce truc. Ah merde, même si je l'ai fait tomber. Bon, ça, ça disparaît. Non, je sais comment. Comment m'y prendre. Faut mettre la prune sur la tête de l'ennemi, tout simplement. Parce qu'il est un peu bêta celui-là. Voilà. Et là, il est inoffensif. Normalement. Enfin, c'est le bossu. Et il est inoffensif. Et donc, c'est comme ça qu'on peut monter. Ça, c'est vraiment grâce à des souvenirs, hein, parce que sinon, j'aurais mis plus de temps à découvrir cette énigme. C'est une énigme parfaitement bien menée. Même ce rouge. Ah, ça montre les interrupteurs en dessous. Ok. On en a activé deux. Et là, je sais pas trop où aller. Avec cette caméra complètement folle. Non, je vois pas trop ce qu'il faut faire. Hein. Descendre. Bon, il y a une mouche qui arrête pas de me saouler. Toujours sur l'écran, là. Elle me stresse, là, elle me stresse. Une mouche. Le pire ennemi d'un gamer. Ah. Des lumes jaunes. Pour tracer un peu notre chemin. Pour savoir où aller. Ok, donc là c'est le coup des escaliers infinis, c'est ça? Des étages infinis. Et que les escaliers infinis aussi. 4 sur 8. Au moins, ça nous donne une idée de d'où on est rendu dans le niveau. Avec ses cages. Ah, vous voyez que les rebonds, ça sert à quelque chose. Là, il a rebondi sur le mur, mon machin jaune, là, et il est allé direct sur l'ennemi. C'est la classe. Ce qui a enclenché une baston. Récupère le lumse jaune. Purée, il a failli m'avoir celui-là. Purée, j'ai une tronche. Ah, bien joué Bender. Purée, mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il crève. Quelle est cette chaise sinistre? Un bouquin? Mais... Un bouquin sans écriture? Ça ne peut être que ça. C'est un sorcier fou! Un sorcier maléfique. Ressemblant à un scientifique fou. Ou c'est un robot qui aime les taches blanches.
et qui peut tout. Mais oui, c'est ça, je pense que c'est ça. Il peut, grâce à son scanner 3000, il peut tout scanner sur le livre. Comment expliquer? Ça fait comme le scanner de Super Metroid, quoi. Il peut voir véritablement les écritures invisibles du livre. Et c'est ça. Je sais pas quand il va mourir, lui. D'ailleurs, dans Super Metroid, j'ai été bloqué pour le tube en verre. Quand j'ai regardé plus tard les vidéos de Hooper sur Super Metroid, c'était la même chose en fait. Bloqué par le tube en verre. Ce fameux tube en verre. Petite, j'aurais cherché une petite solution sur internet et c'est bon. Alors qu'à l'époque, ça aurait pas pu le faire. Parce que bon, Super Metroid, moi je l'ai commencé quand j'ai vu Hooper faire la première partie, quoi. Je me suis dit, ah bah, pourquoi pas faire de mon côté? Et je l'ai fini largement en avance. Pour pas me spoiler. De toute façon, je me suis dit de base que ce Super Metroid, il fallait forcément que je le fasse. Un jeu dont j'ai beaucoup entendu parler, et qui est l'un des meilleurs jeux de la Super NES pour la plupart des joueurs nostalgiques. Bon, moi je dis tout de suite, pour un jeu de 94, bon, graphiquement c'est moyen. Il y a juste la skin du premier boss qui est incroyable. Parce qu'elle est énorme, elle est encore plus grande que la taille de l'écran. C'est un truc de fou. C'est une skin immense et assez bien animée par rapport à sa taille. Ok, là c'est un ennemi buggé. Et voilà quoi. Le boss final aussi qui est très bien modélisé. Voilà, je vous spoil pas trop bien sûr. Pour ceux qui n'ont pas fait Super Metroid. Qui veulent peut-être le faire. La référence des jeux Super NES. Pour moi, graphiquement, voilà, je le dis encore une fois, ça se répète assez souvent quand même. Bon, ici, il y a quand même plusieurs environnements différents. Bon. On va se dire que... Bon, à côté, il y avait Donkey Kong Country 1. Voilà, quoi. Tu peux pas tester. Mais bon, ça allait quand même, hein. Mais bon... Je dirais que ça allait, si c'était un jeu de 91 ou 92, mais 94, c'est vraiment la fin de la Super NES, quoi. Enfin, il restait plus que 95, et limite 96 peut-être, oui, mais... Voilà, quoi, ça faisait 3 ans qu'il dirigeait la bête, quand même, hein, la Super NES. Je me dis... Qu'est-ce que vous faire, là? Je me dis quand même que ça doit être mieux maîtrisé que ça, mais... C'est juste mon point de vue. Sinon, à part ça, c'est un jeu exceptionnel, bien sûr, par son gameplay qui se renouvelle à chaque fois. Ah bon. Super. Ah, encore un ennemi géant. On se demande ce qui se cache dans ce puriste en stono. Ça se trouve, c'est un petit robot bender. Si ça se trouve, c'est juste un robot en tonneau. Ah purée. Ah, je me souviens, il y en avait partout ici. Ils sont assez costauds. Mais bon, ils sont un peu nazes. À côté de ça. Ils sont à moitié buggés, des fois, ils t'attaquent pas trop. Petite musique rythmée. Ok. Pas monter.
Mais... Attends, je pouvais monter avant. C'est quoi cette blague? Qu'est-ce que... Ok. Je croyais que c'était au pixel près, en fait. Pourquoi il peut pas s'accrocher? C'est incroyable. Des fois, il s'accroche pas. Là, il s'accroche. C'est bizarre. Chelou. Purée, caméra, caméra, recentre-toi. Il y a deux lumes jaunes là-bas. Je vais vite fait les pêcher, là. Voilà. Ah, ok. Ah, c'est encore ça. Ah, ils lui refont le coup. En gros, il va y avoir l'autre ennemi qui va popper, voilà. C'est reparti pour un tour, quoi. Et voilà, c'est fait. Ok, le rayon bleu qui reste quand même. Il persiste. Ah, le bug persiste. Du coup, on pourra aller là-bas. Donc, je pense que ça sera pour la prochaine vidéo. Parce que là, on est quand même à 1h17. On va dire que c'est quand même beaucoup. Rayman qui a un air snob, hein, pour sa démarche, avec le tapis rouge, ça le fait. Ça le fait complètement, là. Je suis snob. Et qu'y a-t-il? Qui veut sa petite tasse de thé? Je payais 20 euros de l'heure. Je suis pas n'importe quel gentleman. Je sais faire la danse de la pluie. Si vous voulez à boire, je peux y remédier. Level bonus. Fail. J'ai pas eu 8 sur 8. Petit chargement. Voilà, le robot qui est paumé. Il a perdu ses compagnons. Voilà. Purée, mais où est mon infanterie? Je fais partie de l'infanterie première ligne. Vous savez où c'est? Ils sont tous barrés avant moi. 53%. Bravo, mais tu as réussi à ouvrir les portes de l'usine. Traverse l'usine et recherche les marais. Non, il cherche les marais. Le sanctuaire de lave se trouve juste après. Fort bien. Et bien voilà, ce fut une magnifique fin. Voilà, il est très bavard, hein, notre petit être. Le roi des petits êtres. Des petits êtres. Oh, petit bug. Oh, petit bug. Petit bug. Vous voyez les yeux de Rayman. Premier plan. Bon, ça, c'est pas des yeux horribles comme on a dans Beatball et Hobbit, hein, sur GameCube. Je me souviens quand la caméra se bloquait, des fois, dans la modélisation du personnage. C'était assez moche. J'ai eu des bugs là-dessus. Et en fait, ce genre de bug... où on voit en fait la modélisation intérieure du personnage qui est assez hideuse, hein, on peut dire. Mais c'est comme ça, hein, c'est comme ça qu'ils arrivent à fabriquer les persos en fait, hein, les développeurs. Ou alors je dirais plutôt c'est dans les jeux, c'est fait de cette façon dans des jeux de licence, hein, repris d'une licence assez merdique. Là vous voyez ça, les yeux ils sont pas ignobles, ça. Modélisation convaincante. Modélisation intérieure convaincante. Traverse l'usine et cherche... Et voilà, c'est dans Bilbo Lobin, je me souviens. Oui.
En plus, c'était quand j'étais petit, je trouvais ça horrible. C'était ma vision d'horreur. Le cauchemar. C'est d'ailleurs un peu une petite référence pour... Merde. Pour la grande évasion, c'est aussi la même chose, hein, comme jeu. C'est souvent les jeux mal maîtrisés, en fait. On a ce genre de bug. Ouais, c'est juste que la caméra m'a fait penser à ça, voilà. Moi, je voulais pas revenir ici. Attendez, qu'est-ce qu'il y a ici? Bah oui, ça, on a déjà fait. C'est avec le bateau par la suite, je crois. Voilà. Bah, pour l'instant, franchement, les niveaux sont pas difficiles, hein, en conclusion. C'est surtout après que ça va se gâter, hein, niveau final. Je m'en souviens, c'est... On avait au début, on glissait un peu sur le bateau. Sur plutôt quelques bateaux délabrés. Par la suite, on arrive contre un mini-boss. Et encore après le mini-boss, on est sur un obus sur pattes qui peut voler. Qui se met en mode avion, là, donc qui plane. Qui vole plutôt même. Et puis par la suite, je m'en souviens plus trop. Après, je crois que c'est directement le boss final. Et c'est un niveau assez costaud, hein. Je me souviens, j'ai perdu, mais combien de fois j'ai perdu dans ce niveau? 40 fois? Bon, j'exagère un peu en disant 40, mais c'était pas loin. Sur DS. Je sais pas si cette version de Révolution, là, est plus simple. Voilà. Sur ce, je vous dis à la voyure pour de nouvelles aventures, et peut-être que dans la prochaine partie, nous allons trouver le fameux troisième masque.